Pour moi, c'était important que le projet revienne à Cergy-Pontoise parce que c'est là d'où tout est parti. C'est le démarrage d'un déploiement au niveau national de la formation des déterminés. On n'a pas encore eu d'échec pour l'instant ou d'abandon pendant la formation. On compte sur vous pour que du début à la fin, vous puissiez être là. Et on vise même au-delà de la France. Nous, on a une ambition qui est beaucoup plus forte. On est tous un rêve. Et ce rêve, il faut le transformer en réalité, donc en projet, puis en entreprise. Écouter une histoire, un storytelling des entrepreneurs qui sont partis de rien avec un parcours peu conventionnel, c'est des exemples concrets qui peuvent nous inspirer et inspirer nos futurs entrepreneurs. Il y a un animal qui est très déterminé sur la planète. Ça va vous faire rire, mais c'est la libellule. L'idée, c'est de créer en fait cet électrochoc entre nos déterminés et ces guest speakers qui viennent intervenir. On a essayé de leur montrer qu'il était possible de fidéliser énormément une clientèle grâce aux réseaux sociaux. Et vraiment, ça nous a beaucoup inspirés. On a eu également l'intervention de Dawala. Et tu sais que cette personne-là va tout faire pour réussir son projet. Ne lâchez pas, quoi. Après, oui, on a pleuré. J'ai pleuré souvent. Je peux vous le dire, j'ai pleuré souvent. En fait, ce qui est impressionnant, grâce à ce travail-là, c'est de voir une personne au début de la formation et ce qu'elle devient au bout de 6 semaines. Après, il y a eu une soutenance, ils sont passés devant un jury d'experts. Et moi, je me suis dit, bon, on rentre dans la cage au lion, on va se faire bouffer. Waouh, c'est sûr. C'est ça qui fait en sorte que tu peux réussir. Elle s'est déterminée. Tu vois, quand t'as peur de rien, c'est ça. Ouais. Quand tu te poses trop de questions, tu vas rien faire à la fin. Non, c'est faut faire. Je voulais vraiment vous remercier tous, petit canard. Et c'est vrai que ça m'a motivé encore plus. Déjà, je l'étais, mais alors là, rien ne peut m'arrêter. Et votre réussite de vos projets, c'est aussi notre réussite. On est ensemble.